Thank you.
Quand le prolétariat découvre que sa propre force extériorisée concourt au renforcement permanent de la société capitaliste, non plus seulement sous la forme de son travail, mais aussi sous la forme des syndicats, des partis, de la puissance étatique qu'il avait constituée pour s'émanciper, il découvre aussi par l'expérience historique concrète qu'il est la classe totalement ennemie de toute extériorisation figée et de toute spécialisation du pouvoir. Il porte la révolution qui ne peut rien laisser à l'extérieur d'elle-même. L'exigence de la domination permanente du présent sur le passé et la critique totale de la séparation. Et c'est cela dont il doit trouver la forme adéquate dans l'action. Action. Aucune amélioration quantitative de sa misère, aucune illusion d'intégration hiérarchique ne sont un remède durable à son insatisfaction, son insatisfaction, son insatisfaction, son insatisfaction, son insatisfaction. Spécialisation sociale, la spécialisation du pouvoir qui est à la racine du spectacle. Le spectacle est ainsi une activité spécialisée qui parle pour l'ensemble des autres. C'est la représentation diplomatique de la société hiérarchique devant elle-même.